Eh bien salut tout le monde, c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Minecraft. Alors Minecraft 1.8.1, donc la dernière version qui est disponible du jeu bien évidemment. Alors je tiens tout d'abord à préciser que je m'étais arrêté à la version 1.4 et encore j'avais même pas joué je crois la version 1.4. Donc tous ces changements là qui sont arrivés, je ne m'y retrouve plus. Donc je vous prie tout simplement de m'aider en me donnant par exemple un lien qui fait le récapitulatif de mise à jour quoi, enfin essayer de dire à peu près ce qui change. J'ai vu qu'il y a une barre d'XP et une barre avec des cuisses de poulet. Salut. C'est quoi ton petit nom propre? Enfin bon voilà. Alors dans cette série, écoutez, je vais sûrement faire plusieurs épisodes sur ce jeu. Je referai un épisode aussi sur Just Cause 2. Mais là j'avais envie de changer un peu et de faire un truc genre Minecraft, par exemple. Oui. Par exemple, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder, bref. Et donc là, voilà, bah, j'ai commencé une partie juste avant de commencer la vidéo et je tombe sur ce trou. Alors, faudra m'expliquer. Je crois pas qu'il y avait ça avant. Là-bas, on voit de la lave. Là, c'est du charbon, je crois bien. Et ici, c'est de l'or ou je sais pas trop quoi. Donc, écoutez, on va faire les Yamakate Awatama. Ok, parfait. Alors, par contre, ah oui, mais je suis. Oh, mais quel débile. Ah, mais quel débile. Il aurait fallu que je fasse une truc en pierre. Bah, écoutez. Ça va mettre 3 ans, ça va être assez chiant pour vous à regarder. Enfin bon. En attendant, je voulais vous dire que là je viens de me lever. Donc j'ai une voix assez différente de d'habitude. Surtout que j'ai chopé un petit rhume. Ah, parce que dans ma maison il fait très très froid. Et je pense que c'est pour vous la même chose malheureusement. Donc là en fait je suis assez très con puisque je n'ai tout simple. Oh, je suis vraiment un débile. Alors attendez, écoutez, comment on ouvre son inventaire? Ah, voilà. Ok, donc c'est E. Je vais essayer de faire un... Ah oui, pas. Ah oui. Et alors là, franchement, les fans de Minecraft, ils vont m'en vouloir de. Parce que vraiment, hein, comme je vous ai dit, je suis vraiment un mec un peu bas de gamme, vous voyez. Oh, mais merde, quoi. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Bon, ok, ok. Et maintenant, avec ça, est-ce que je peux faire un atelier? Yeah, ok, ça rock, ça rocks. Ok, parfait. Alors écoutez, je vous propose de mettre cette petite atelier, enfin ce petit atelier, de faire des bâtons, je sais plus. Ah voilà, bah, ça se fait comme ça. On va remettre les bâtons ici et ici. Et on va faire une pioche. Hein? Ah oui, je suis débile. Excusez-moi, veuillez me pardonner de mon innocence. Mais c'est vrai que voilà, enfin voilà, vous m'avez compris, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. Donc il y a pas mal de trucs dont je me souviens vraiment, vraiment, vraiment pas. Voilà, donc là, logiquement, attendez. Là, normalement, je gagne... Ouais, voilà, parfait. Écoutez, on va piocher un peu... de la pierre, de la cobblestone comme on dit. Et puis on va voir ce que ça va donner. On va essayer de miner un peu tout ce qu'il faut pour construire une petite maison. J'ai ma petite idée sur quoi faire comme maison. Donc en fait on va faire quelque chose, on va s'appeler les maîtres. Bon, en gros ce sera le monde du panda. Je serai le panda et c'est à dire qu'on fera plein de cultures de bambou et que les pandas domineront le monde dans cette petite série sur Minecraft. Voilà, c'est parfait, c'est très con, je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Wouh. Alors pourquoi je fais pas un face commentary? Tout simplement parce que sur Minecraft ça sert à rien de faire un face commentary, enfin je trouve. Y a rien de plus con que de faire un face commentary. Enfin, ah non, enfin, j'offense pas ceux qu'on fait un face commentary sur Minecraft, je sais même pas si on a qu'on fait. Ouh, fausse manip. Mais personnellement, je trouve que ça sert vraiment à rien. Dans le sens où, voilà, y a pas de réaction épique à avoir, y a pas de tête bizarre à faire quand il se passe des choses bizarres. C'est Minecraft, quoi, c'est un peu monotone comme jeu, si je peux me permettre. Enfin, c'est pas monotone, mais je veux dire, voilà, c'est le but est de construire, c'est assez répétitif. Donc, je pense pas qu'il y aura de grandes surprises à part. Oh, non! Un mouton! Enfin voilà, donc voilà, ça sert un peu à rien de mettre ma tête en bas à droite pour cette vidéo. Et puis je pense que voilà, ça change un peu, c'est pas plus mal. Vous en avez un peu marre de la sale tronche de quête, non? Enfin bon, voilà, alors c'est parti pour dominer le monde en tant que panda, les amis. J'espère que vous serez nombreux à me donner quelques conseils ou enfin voilà, quelques liens qui pourront me permettre de bien gérer et de pas trop vous emmerder à tourner en rond dans un jeu. Il y a rien de plus chiant de voir quelqu'un qui tourne en rond dans un jeu alors que vous avez la solution. Ça j'ai remarqué, c'est vraiment quelque chose de très énervant. De voir un pauvre type qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond pour rien. C'est vraiment décevant. Enfin bref. Alors attendez, on va mettre tout ce qu'il faut pour faire... Ah mince. On va faire des petits sticks parce qu'on est trop malin. Ah. Ouais, j'ai des sticks. Alors on va mettre, on va faire 3 pioches. Allez hop, on va dire 3 pioches, c'est fait. Ok, parfait. Ok, maintenant je ramasse pioche. Putain, mon inventaire il commence déjà à se remplir petit à petit, c'est vraiment incroyable. J'ai aussi tué 3 moutons histoire de quoi faire un lit pour pas se faire couiller et perdre en cas de mourage.
Oui, de morage. J'ai aussi des sugar cane, donc c'est du bambou. Ah, c'est du bambou! Et puis bah voilà, écoutez, là, on est paré à miner un peu du charbon et tout ce qu'il faut. Et après, on va aller construire la maison tous ensemble. On va la commencer néanmoins. Et j'ai oublié de lancer le chronomètre. On doit être à peu près à 5 minutes de vidéo. Donc écoutez, je le lance désormais à partir de maintenant. Merci le clavier G15. Et ça, c'est tombé. Ok. Alors là, il faudra m'expliquer comment je fais pour ne pas mourir. D'accord. Ah oui, je récupère ma vie, c'est vrai. C'est vrai, c'est un truc de la mise à jour, j'avais pas vu. En fait, tu récupères ta vie. C'est assez original. C'est assez. C'est moins compliqué qu'avant, du coup, je trouve que. Enfin, bref. Il paraît aussi que les donjons sont plus compliqués qu'avant à trouver. Oui, j'ai quand même eu quelques infos sur cette version 1.8.1. On m'a dit aussi que maintenant il y avait un peu plus l'aspect MMO. Donc il y a de l'XP, mais on m'a dit qu'elle servait à rien. Et qu'il y a des PNJ dans les villages qui servent aussi à rien, mais qui serviront à quelque chose dès la prochaine version de Minecraft qui sort, je sais pas trop quand. Donc ça doit être marqué sur le site officiel ou quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà. Le jeu, je trouve que franchement, Minecraft, c'est vraiment le seul jeu où au fur et à mesure des mises à jour, c'est vraiment. Ça évolue incroyablement. Mais bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais je trouve vraiment que ça. Oh! Ah là, il y a moyen de faire de l'obsidiane ou un truc comme ça, là, normalement. Là, je pense. J'espère ne pas dire de conneries. Mais normalement, là. Oui! Oui, messieurs, dames, oui! Yes, I've got it. Attention. Wouh! Trois obsidiennes, c'est pas magnifique? Sauf qu'il faut une pioche en fer pour la ramasser, que j'en ai pas. Là là là. Ça me donne envie de dire, j'entends le loup, la belette. Pardon. Alors, comment. C'est vrai que ce jeu, c'est quand même. Alors, pour accéder au. Ah, mais c'est du fer ça ou. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça. Dis-moi le truc. Iron ore. Bah oui, je crois que c'est du fer. Ou alors, non, oui, c'est du fer. Moi, je sais même plus. Pff, je suis paumé. Je suis complètement perdu dans ce jeu, mesdames et messieurs. C'est assez incroyable. D'ailleurs, ça m'étonne. Et en plus, j'ai laissé mon truc en haut. Donc, je me sens assez débile. Mon machin pour fabriquer, je veux dire. Alors, écoutez, on va devoir gaspiller du bouet. Mais on va aller en re-récolter. Wouhou! Oh, fuck. Ah, yes. Yes! En fait, c'est le Indiana Jones du minage, là. Enfin, je suis le Indiana Jones du minage, les amis. Et qu'allons-nous donc faire désormais? Bon, je propose la méthode bourrin. Bleh, méthode Rambo. C'est parti. Je sais même pas si ça va le faire. Je vous l'accorde, c'est complètement débile, mais je vous l'accorde, je n'ai pas de temps à perdre. Ah, j'ai vraiment une voix bizarre ce matin, ça me stresse d'avoir une voix aussi. On dirait que c'est pas moi, dis donc. Oh, fou le Yamakasi. Je sais pas ce que vous en dites, mais personnellement, je trouve vraiment que. Bah écoutez, j'ai un petit rhume quoi. De toute façon, tout le monde a un petit rhume. Tous les youtubeurs vont avoir une voix de merde désormais. Donc je vous invite à vous habituer aux voix pourries. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Et on voit absolument rien dans le jeu quand il fait nuit, c'est désastreux. C'est. Je sais même pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Bah au pire, je rajouterai la luminosité au montage s'il le faut, s'il y a besoin. Et là, je me sens un peu pas en sécurité, je suis sous des pierres. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais merde! Oh oui! Ce bruit-là veut dire la lumière est pas loin. Je m'envole vers d'autres cieux. Ok, la lumière est juste là. Touk, touk. Oh non. Oui, c'est bon, parfait, ok. Alors, ah ça, je croyais que c'était un canard, mais en fait, c'est un poulet. Non, mais regarde, entre nous. Entre nous, est-ce que ça a une tête de plus, une tête de canard ou de poulet? Salut. Enfin, je trouve personnellement que ça ressemble plus à un poulet, mais bon. Là où il y a le maître mouton qui domine sur la montagne. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trous partout maintenant. C'est assez stressant. Bon, lui, on va le tuer, il va nous faire une lame. J'ai vu qu'il fuit maintenant aussi, c'est imbécile le mouton. Putain, mais fais pas redescendre tout en bas. Ok, bah lui, il s'est carrément envolé. Je lui ai mis un coup, le mec. Ah, il s'est envolé. Bon, bref. Alors, comment allons-nous faire? Je vous propose de nexter le jour. Non, j'ai quand même. Ah oui, il pleut! Oh, c'est trop stylé! Oh, c'est trop classe avec le bruit et tout. Bon, ça fait plein de bruit, c'est chiant, mais c'est trop classe quand même. Alors, écoutez, on va essayer de trouver un point bien en hauteur ou un point circulaire, si je peux dire. En tout cas, en attendant, sous la pluie, on va récolter du bois. Et oui, la vie du petit bonhomme de Minecraft est très dure, les amis. Donc, je vais faire. Je vais faire des haches en mode PGM. Alors, on va en faire 3. Je crois que c'est comme ça. Oui! Mais quelle PGMtitude, y a rien à dire, les gens.
C'est incroyable comme je me la pète depuis le début de cet épisode là, c'est assez inadmissible d'ailleurs. Bon alors attendez. Attendez, faut se concentrer. On va essayer de piocher un peu de bois. On va en prendre quoi? Allez, 2 x 64, ça devrait faire à peu près l'affaire. De toute façon là ça va vite. Ouais quand même quand t'es à l'abri et tout, enfin je trouve ça bien fait personnellement. Pour une application Java, y'a rien à dire, c'est bien fait, hein, franchement. Enfin si c'est une application Java. J'ai toujours peur de dire des bêtises parce qu'après il y a forcément des gens qui le prennent mal et qui m'incendient de messages genre mais t'es qu'un pauvre con, c'est pas ça, mais c'est ça. Donc je m'excuse d'avance si je me gourde dans quoi que ce soit que je dis, sachant que je me gourrais très souvent à mon avis. En tout cas j'espère que le défi de Squeezie numéro 4 vous aura franchement plu. En tout cas on a passé environ une heure à tout nettoyer derrière. Donc franchement c'est vraiment pour vous qu'on fait ça les gens. Nous franchement on s'éclate aussi c'est clair. Mais derrière là on a quand même. Enfin ma mère je pense si elle regarde la vidéo va me tuer. Je pense qu'elle la regardera. Et maman si tu regardes aussi cette vidéo. Mais là non on est déjà à peu près 10 minutes de vidéo. Donc je ne pense pas que tu aies que ça foutre de regarder 10 minutes de vidéo de Minecraft. Mais si tu regardes sache que je suis désolé d'avoir tout dégueulassé dans la maison. Mais au moins j'ai tout nettoyé. Donc normalement tu n'as rien à me dire. Alors on arrive à seulement 28 de bois. Je suis assez désespéré. Que faire? Bon écoutez, je pense qu'on va faire la maison ici. Après avoir cultivé tous ces bois, on va commencer à faire la maison et à faire une culture de bambou. Dès qu'il fait jour là je pioche. Et dès qu'il fait jour, ah non remarque c'est 10 minutes jour 10 minutes nuit c'est vrai. Je sais pas écoutez, il faut voir. J'ai un sale reflet de lumière sur mon écran en plus. Enfin maintenant ramasse encore un peu. Ouais là ça fera genre pas mal de bois. Ok, on ramasse encore un peu. On va faire juste là. Ça me paraît plutôt bien. On va prendre du bois chelou. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Mais c'est vrai qu'il y a des. Je connais des. À l'époque où je jouais à Minecraft, je crois qu'il y avait déjà ce bois là. Ou alors j'ai dû rejouer entre temps. J'avais déjà des potes qui étaient en kiff sur la couleur du bois. T'as vu? Oh, c'est du bois blanc avec des points noirs, trop belle. Enfin bref, chacun son délire. Alors, là je suis en mode peaceful, hein, je précise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de monstre. Si y en a qui attendent depuis le début de la vidéo que je me fasse shooter par un monstre, non, vous rêvez. Bon, alors écoutez, on va dire que c'est bon. Genre celui-là. Ah, c'est affreux d'avoir le rhume, j'aime vraiment pas ça quand même. Là, je dois avouer que c'est vraiment quelque chose de chiant en plus pour les vidéos, du coup, il y en a comme ça de merde, c'est vraiment relou. Alors écoutez, let's go. Alors ça fait quoi comme bois? Ah, bah ça fait du bois normal, ok. Foutage de gueule total, moignon. Tac. On va refaire plein de bois et on va tout de suite se mettre sans plus tarder à construire la maison les gens. Tac. Hop, ok, now, let's go. Ok, est-ce que j'ai fait du beatbox en live? Alors, c'est parti. Donc on va faire une ligne d'eau et une ligne de pas haut. Logique, mon gars. N'est-ce pas? Ta. Mais c'est pas profond du tout en fait. Je pensais que c'était grave profond, mais. Mais que dalle. Alors, on va mettre une petite tâche. On va juste faire une espèce de petite cabane là en attendant. Une petite cabane quoi, un truc simple. Et au deuxième épisode on commencera sincèrement la vraie construction du jeu quoi. Alors attendez. Tac. Oh motherfucker, je suis trop débile. Ok là, alors là vous avez le droit de m'insulter tous les noms. Je plante du bois pour foutre du bambou dessus. Alors là c'est vraiment inadmissible, je vous l'accorde. Je me sens vraiment débile. Mais comment pouvoir se sentir plus bête que ça? Je crois que c'est pas possible. Bon alors écoutez, on a plus qu'à faire un motherfucker pour piocher comme il se doit. Donc on va faire deux. Tac. Ok, deux perles. Tac, deux perles. Ok. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, des tourderies. Je me suis levé à 10h30 ce matin. Tout le monde s'en fout, c'est ma vie. Mais je dois dire que pour quelqu'un qui sait, je me suis couché à 1h30, j'étais crevé, j'en pouvais plus. J'en ai marre des cours. Yeah, je pense que tout le monde en a marre. Et je vous rassure, les vacances c'est dans 2 semaines pour ceux qui sont dans ma zone, c'est-à-dire dans la région parisienne. Et franchement, j'ai vraiment hâte que ce soit cette pourri de vacances pour faire justement préparer la vidéo, enfin les vidéos spéciales 10 000 abonnés, parce que ça va demander du temps. J'ai un énorme projet avec X-Riz de la Acide, donc un graphiste de la Acide, la team à Wartech pour ceux qui ne connaissent pas.
On a un énorme projet avec lui, en tout cas j'espère, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, il est dans ma subbox, c'est vraiment un énorme graphisme, mais vraiment il est énorme, d'ailleurs il va bientôt me faire un background, même s'il l'a pas déjà fait, franchement il claque, et on va faire vraiment un truc avec lui, je pense que ça vous plaira, regardez, le lever de soleil sous la pluie de la camouflage de l'ombre, et je pense que franchement ce qu'on va faire avec lui ça va vraiment vous plaire, ça sera quelque chose de vraiment... original pour le coup, ce sera original pour le coup, on va se donner sur le montage. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, j'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, nous on va vraiment bien s'amuser pour le faire. Et puis bah j'espère que ça vous amusera vous aussi, sinon c'est un peu des bails, vous me direz. Alors maintenant c'est parti pour vraiment construire cette mine de bambou. Donc du coup il va falloir que j'enlève une hache. On va prendre la hache qui est neuve. C'est vraiment débile ce que j'ai fait quand même, là je dois avouer je... Genre débile, il n'y a pas plus débile. Plus j'en ai mis plein. Oh là là là, qu'est-ce que c'est chiant. Nom de Dieu. Oh là 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 là, seulement tous les instruments en diamant seront dans la bombe. Donc on fait les champs de trucs. On commence à faire un petit peu quelque chose qui ressemble à une maison. Faudra aussi que je farme du sable. Bah là, au pire, il y en a sous mes pieds. Donc c'est tranquille. Et maintenant, c'est parti pour mettre la terre et pour faire pousser des bambous dessus. Donc je vais juste faire deux colonnes en fait, je vais pas peine d'en faire plus. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle un PGM. Hop, 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 hop. Donc aussi je voulais vraiment remercier tous ceux maintenant. Vous êtes vraiment nombreux maintenant. Vous imaginez comment ça fait 8500. Mais dégage. Je parle d'un truc sérieux, il y a un moutou qui vient se frotter à moi, c'est n'importe quoi. Je pouvais pas savoir ce que ça fait vraiment de. D'avoir autant de personnes qui nous suivent. Au début on se dit, dans mes débuts je me disais ouais 300 abonnés je serais content. Après je me disais 8000 ça serait bien, 3000 ça serait bien, 5000 ça serait bien. Et là j'arrive aux 10 000, ça serait amazing. Et les 10 000, je pense que quand on atteint les 10 000 abonnés, pour moi c'est qu'on a, on a une certaine, vraiment une réussite sur YouTube. Y a rien à dire. Je me considère pas du tout comme quelqu'un de connu ou quoi. Personnellement je fais des vidéos pour qu'on rigole tous ensemble. C'est vraiment à but rigolade. Et je dois dire que bah écoutez, vous avez l'air d'aimer si je me trompe pas. Enfin c'est plutôt pratique quand les gens aiment ce qu'on fait, hein, y a rien à dire. Et puis bah là ça a l'air de marcher. Donc écoutez, en tout cas NGZ aussi est très content pour tout ce qui m'arrive en ce moment. Il est très content que vous, il y a plein de personnes d'entre vous mine de rien qui l'aiment. Je vous rendais peut-être pas compte, mais il y en a vraiment plein. Et je dois dire que lui aussi ça lui fait vraiment un certain plaisir de se dire que voilà, on fait des défis, les gens ils kiffent, voilà, ils kiffent au moins. J'aime bien cette expression, ça fait un peu ado rebelle. Ok, donc là on est en manque de bambou. M'aider, ok, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant on va enlever tout ce sable, on va construire tout de suite la maison sans plus tarder. On va la construire au-dessus de l'eau parce qu'on est en harmonie avec la nature, les gens. Alors voilà, hop, hop, hop. Et donc oui, bientôt 10 000 abonnés, c'est quelque chose de fantastique. Je vous promets de faire quelque chose vraiment de bien. Pas d'inoubliable parce que voilà, j'ai pas vraiment de concept de dingue pour les 10 000 abonnés. Mais de faire vraiment quelque chose qui vous rendra piste, les gens. Donc on va tout de suite faire la maison en bois. C'est parti. On va la faire, faudrait péter toute cette surface à partir de là en fait. Pour qu'on soit vraiment tranquille. Écoutez, c'est ce qu'on va faire sans plus tarder. À partir de là, tac, tac. Mais des gars, mais qu'est-ce qu'il a à me coller lui? Mais c'est pas possible. Mais il veut quoi? Il veut une carotte? Non mais c'est une blague quoi. Mais franchement, c'est n'importe quoi quoi. Mais dégage. Tu veux sortir de l'eau? Ouais, c'est ça. Ok, bah tiens, hop, tu retombes dans l'eau, je m'en fous. Retombe dans l'eau, j'ai dit. C'est vraiment une blague ce mouton quoi. Alors écoutez, on va essayer de faire ça très vite. Hop, 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 hop. On va faire un début de maison. La prochaine fois, on va rajouter des vitres. Je sais pas si on peut faire une vue sur l'eau, mais en tout cas, on le fera parce qu'on est des PGM. Et ça fera vraiment l'homme en harmonie avec la nature. Ça sera vraiment quelque chose de stylé, comme on dit. Et puis voilà, on continuera. Je ferai vraiment cette série. Je pense qu'elle aura un temps. Elle sera illimitée, mais disons que voilà, il y a plein de gens qui font des vidéos sur Minecraft, donc j'en ferai une toutes les deux semaines, voire une par mois sur Minecraft. Non, une toutes les deux semaines, je pense que ça me paraît plutôt bien. Allez, on élimine encore une rangée. Bon, bah, deux du coup, comme je fais une fausse manip. Mais dégage, mais c'est pas possible, ce mouton comme il me colle. Non, mais vous avez vu, mais aucune personnalité quoi. Un mouton colleur, on aura tout vu. On aura tout vu, et j'en ai un peu marre qu'il pleuve d'ailleurs, parce qu'il fait jour et tout, il pleut, bon, c'est un peu déprimant. Ok, let's go now. Pa-da, pa-da. Vous savez, c'est stressant quand même. Quelqu'un qui fait un bruit à chaque fois qu'il pose un bout de bouée. Alors, faudra pas que ce soit trop grand non plus quand même.
faudrait qu'il y ait une limite. À partir de là, de là, de là, de là, de là. Ok, bon, on va la faire comme ça. Et encore, je sais même pas si j'aurai assez de bois. Non, j'en aurai sûrement pas assez. Donc, on va faire une petite hauteur du coup. Hop, hop. Hop. En tout cas, j'espère aussi pour vous que les cours se passent vraiment très bien. J'en parle souvent dans mes vidéos. Mais écoutez, c'est quelque chose d'important. Personnellement, ça me saoule. Ouais, je suis un ado. Non, mais ça rien. Ça me saoule vraiment pas mal. Faut savoir gérer entre le travail, les vidéos et passer du bon temps nous-mêmes. C'est pas que j'aime pas du. Enfin, au contraire, j'aime vraiment beaucoup faire des vidéos. Mais mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps sur notre temps libre. Hein. Faut pas croire que ça se fait comme ça. Je le dis vraiment souvent. Il y a vraiment plein de gens qui croient que les vidéos ça se fait comme ça en mode hop 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 tranquille. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première pièce en fait. Voilà, comme ça. Mais vraiment, ça met vraiment du temps. Hein. Oh non, c'est trop petit, c'est affreux. Dit-il entre deux phrases sérieuses. Ouais, c'est vrai que ça met quand même pas mal de temps à faire des vidéos, mine de rien. De toute façon, tous les youtubeurs, pour vous le dire, ceux qui font des trucs, enfin, construits quoi. Moi, je dis pas que je fais les choses construites ou quoi, mais voilà, c'est quand même un minimum comme ça. Oula, il y a de la terre qui s'est mise. Ah ouais, c'est. Oh merde, mais qu'est-ce que je fais? Mais je suis débile. Vous avez vu, dedans, il y a de la terre qui s'est mise, c'est trop fort. Je savais pas, moi, mais du coup, je vais tout virer. Moi, je veux du sol en bois, je m'en fous, moi, du sol en. Bon, écoutez. Écoutez, on aura le sol, alors on sera en totale harmonie avec la nature. Le parterre de ta maison, c'est de la terre, c'est absolument génial. Donc, ce qu'on va faire, écoutez les gens. En plus, c'est un arbre qui gêne. Oh, voilà. Voilà, dans quel pétrin je me suis mis. Bon, alors, on fait une hauteur et on fait le plafond. Encore, je vois même pas assez de bois. Ok, 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 ok. C'est super, un peu une maison sans toi. Vous voyez, comme ça la terre je la remplacerai la prochaine fois par de la par. Attendez, on va aller raqueter un peu cet arbre. Je remplacerai du coup la terre par des vitres la prochaine fois et puis voilà, c'est parfait, tout le monde est content. Je vais prendre quelques bois quand même, là j'en avais pas assez. Ça commence à faire une vidéo longue, motherfucker. Hop hop hop. Ah, ma voix commence à redevenir normale. Je sais pas si vous avez vu ou alors c'est moi qui me suis habitué à ma propre voix. C'est complètement débile. Enfin bon voilà, j'espère que les vidéos qui ne seront pas forcément des face commentary vous plairont tout de même, mais ne vous inquiétez pas. Je ferai quand même des vidéos en face commentary. Parce que écoutez, quand je suis de bonne humeur, j'aime bien montrer ma tête et vous expliquer mes galères. Ah, mais je suis débile en fait, j'en avais plein encore de. Bon bah écoutez, c'est bon. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malafaka quand dit que j'ai dû lire et que j'ai eu que 9,5 sur 20 en contrôle de lecture. Wouah, ça m'énerve. Enfin bref. Hop. Et bon, allez, on refait pas de hauteur, c'est bon. Au pire, on en refera une la prochaine fois. On passe tout de suite sans plus. Ah, ouais, c'est vrai que là, ça fait quand même vraiment une petite hauteur. Cet homme va être enfermé tout seul dans le noir comme un démon. Nanana. C'est parti. Hop, 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 hop. Merde. Oh non. Ok. Faudrait qu'on fasse un four. Ok. On va mettre ça là. Tac, faudrait qu'on fasse des torches surtout. Ça serait vraiment pour le coup franchement utile. Hop, torche, 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 torche. Hop, charbon. Merde. Comment on fait? Ah oui, ok, ok, je crois savoir. Non, mais non. Mais... je crois que c'est. Ah, ok, ok. Nickel, 8 torches, tac, ça on met ça là. On va foutre ça là, on va foutre des torches un peu partout dans cette petite maison. Ah ouais, alors là, ouais, dans le genre cabane, là je crois qu'on a pas mieux. Hein. Ah là, on a atteint le sommet de la cabane. Oh non, une fuite d'eau. Je vais te réparer, cher monsieur. Ok, nickel. Je vais en mettre une petite là. Tac, je vais reboucher ce trou avec de la terre. On va ensuite se quitter. Je sais, c'est très triste. Et bah voilà, on a déjà notre petit début de maison. Je vais ensuite mettre. Allez, je vais mettre une porte quand même parce que là, ça fait vraiment clochard. Je crois que c'est comme ça. Comme ça. Ouais, qui est parfait. Tac, tac. Je suis quand même, allez, je suis quand même étonné de ma mémoire. Hein. Ah là, pour le coup, je dois vous dire que. Je sais pas comment je fais. Alors on va me faire une magnifique vue sur le bambou. Du coup il va falloir virer cette lampe. Hop. Tac tac. Je crois que ça prend. Ah non, remarque, ça prend peut-être qu'une épaisseur en fait, une porte. On dirait. Alors on m'avait dit de la mettre de l'extérieur. Ouais. Ah bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est bien mieux de l'extérieur. Parfait. Et voilà les gens, on n'a plus qu'à mettre l'eau qui est sous nos pieds
à mettre de la vitre et puis voilà, c'est parfait. J'espère que j'ai... Ah, vous imaginez là, l'eau elle monte comme ça d'un coup, je vais me la envoyer. Enfin bref, voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur Minecraft qui était en live mais qui n'était pas un face commentary vous aura bien plu. Je vous promets très prochainement de recontinuer mes face commentary, hein, y a aucun problème. De toute façon, je vais faire presque que ça, mais là je suis fatigué aujourd'hui et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça sur Minecraft tranquillement. En tout cas, je vous dis à bientôt tout le monde. Abonnez-vous pour être au courant de mes vidéos. Mettez la vidéo dans vos favoris si vous aimez cette petite vidéo sur Minecraft. Et puis voilà, ciao tout le monde, bye, à bientôt. Wouh.